السلام عليكم سلام عزول فلوين بونجور بونسوار السلام عليكم سلام اه Ah. Salem alaykoum. Non, j'étais en train de regarder euh, les scores. Salem, Villarreal, ils ne sont pas fait rentrer le joueur algérien. Ouais, il a joué au passe Limani ce soir. Il a joué, il s'est blessé, il est sorti. Il a fait une passe D. Salem, aussi, salem. Lyon tenu en échec à avoir à chaque fois sacrifié le premier fusil qui saute. Ouais. Salem Re-salam. Salem. Salut. Yo, Vams. Yo. Je pas compris ce qu'il manie, il rentre, il sort. Ben, il s'est blessé, il s'est blessé. Il est rentré, il a fait une passe dé, il s'est blessé. Personne le joueur algérien, c'est un Non, ne rentrons pas dans ce. Mais il y a un souci, quelque part. Que penses-tu de l'état de forme de Betsé et Mandy? Pourront-ils être présents et être optimal pour le Niger vu leur manque de temps de jeu C'est une très bonne question. Et ça, je pense que c'est une très bonne question pour euh, tous les joueurs, les amis. Hein. Pas, que, pas que ces deux-là. Hein. C'est un gros problème qui se. Entre le temps de jeu et les blessures, euh, on n'est pas servi. C'est clair qu'on n'est pas servi. Bonsoir, salam alaikum. Pour l'instant, on n'est pas servi, mais on espère que ça va s'améliorer en tout cas. On espère que ça va s'améliorer. Il a fait le boulot slimani, manque de bol pour lui. On espère que ce n'est pas trop grave. Et euh, en tout cas, il a fait son boulot. Il est rentré passe-d. Ça a le mérite d'être clair. Il évite une défaite à, à domicile de Lyon. On verra bien de toute façon. Bonsoir, bonsoir. Alors, moi, je Faris qui pourrait remplacer Ben C'est pas le même. Euh... C'est pas le même style de jeu. Après, vous... eh, Hamesh, il est absent trois semaines. De toute façon, il ne l'aurait pas appelé. Il l'appellera peut-être pour la Cannes. Peut-être. Tout dépendra de la situation d'ici là. Euh... T'as Abdelavi. Oh. Bon, après, c'est le Niger, les amis. Hein. C'est le Niger, donc on peut se permettre, avec tout mon respect pour le Niger, on peut se permettre de prendre même Abdelawi à gauche. Abdelawi connaît la maison. On va mettre Fares, mais on Fares, c'est plus euh, piston gauche, plutôt milieu gauche. Hein. Dans un 3-5-2, ouais. Ou dans un 3-4-3. Pourquoi pas. Delors mérite sa place. Ouais. Ben là, maintenant, euh, ouais, ça, tout dépendra de l'indisponibilité, la durée d'indisponibilité de... de Ouais. Ça dépendra de combien de temps Stimani va être absent. Hamed, je rien montré pour l'instant. Tu veux qu'il montre quoi Il joue des titulaires dans le championnat portugais. Cette année, ils sont mieux que l'an dernier. Ils jouent titulaire tout le temps. Qu'est-ce qu'il te faut de plus En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est mieux que Rassaf déjà. Et Abdelhawi, il est parti euh, s'enterrer au, au Moyen-Orient. Mais il peut dépanner, bien évidemment. Ouais, Ben Rahma, c'est vraiment euh, le point positif d'aujourd'hui. C'est Ben Rahma. Attends, il était proche de se blesser tout à l'heure. On a encore pris 3-0, mais de l'heure, il marque. Ouais. Attends, 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 mais ils ont fait combien de Nice Ils ont gagné Nice, non Ouais, ils ont gagné. saint ouais. Etienne, par contre, ça devient très grave. Hein. Strasbourg, c'est dommage. Strasbourg, euh... ouais, le carton rouge, ouais, c'est dommage. Hein. Ouais. Paris, ils ont eu du mal quand même. Hein. Bon, après, ils sont concentrés pour le match contre City. Ouais. Ah, mais Touba remplacera Mandy. Bah, Mandy, euh, même s'il ne joue pas beaucoup, euh, il est là. Hein. Là n'est pas le problème. Salem. À saint ils ont tout cassé tout à l'heure. Ils veulent vendre le club. Oui, le club va être vendu. Ouais. Ouais, bah heureusement. Hein. Un club comme ça qui est en train de s'enfoncer, c'est chaud quand même. Hein. Donc, on est d'accord que pour l'instant, vous avez un Raïs Semboli en méforme. Un Ben Sebaini blessé, apparemment. Malade ou blessé, je ne sais pas. Et ça dit qu'il ne joue pas. Il n'y a que Ben Lamri qui joue euh, titulaire, mais il est au Moyen-Orient. Attal. mais c'est on a tout le temps peur. Au milieu de terrain, Fégouli qui ne joue pas beaucoup. Ben Asser qui gagne du temps de jeu, fort heureusement. Zerouki qui joue tout le temps. Guedoura qui reprend du temps de jeu, mais de là à être appelé en équipe nationale, je ne sais pas. Je ne pense pas. Quoique, on ne sait jamais. Euh, Belkebla, ce n'est pas le top en ce moment. Boudé, oui, ça va. Quoique là, il est blessé. Euh, offensivement, vous avez Rezel qui est blessé. Ounes qui a très peu de temps de jeu. marrez aussi. Il y a Delors, il joue de plus en plus. Il a gagné sa place rapidement. Euh... Bonger, il joue, mais bon, c'est le Moyen-Orient. Slimani vient de se blesser. À gauche, Bah ben, as Brahimi, ben, Brahimi, euh, voilà, Moyen-Orient, quoi. Mais ça reste toujours une valeur sûre. Ben Rahma qui joue. Et Belaidi qui joue, mais c'est le Moyen-Orient. Donc, euh... ben, je ne sais pas. On n'oublie pas Zorgen aussi, mais Zorgen, euh... faut voir ce que ça peut donner. Hein. Merci beaucoup, Mafia Cafri. Merci beaucoup. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Il faut dire que le match du soir, franchement, non. On verra bien pour les modos, mais il faut vraiment que je réfléchisse bien. Je ne veux pas mettre n'importe qui parce qu'il y a des gens, ils vont, ils vont bannir à tout va pour pas grand-chose et je ne peux pas. C'est des choses à régler. Mais on, on va gérer ça, on va gérer ça, Inch'Allah. On va gérer ça. Salam alaikum salam. Tu as vu Slimani Ouais, j'ai vu ça. Oui. Le match du Real, il m'a achevé. Franchement, à l'avenir, si je vois qu'un joueur algérien, il n'est pas titulaire, je ne je, je live pas. Surtout si c'est un défenseur. Un défenseur, vous êtes sûr qu'il ne rentre pas. C'est rare. Ah, oh, c'est... Un... Entre l'adrénaline des matchs de Première Ligue et là, ouh Sam Khalid, Sam, ça va, Touba peut remplacer Ramiro. Oui, il peut le remplacer à gauche. Bah oui, Bah oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il peut le remplacer. C'est vrai, ça peut être une solution sur le côté gauche. Mais c'est pour ça que la fédération, elle doit faire son boulot. CFC, elle fait bien son boulot. Elle va trouver des joueurs à l'étranger. Des bons joueurs, on va les suivre. Ils ne vont pas choisir d'autres sélections nationales. Ils vont choisir l'équipe d'Algérie. C'est ça le truc. J'espère qu'Alex Armandi va retrouver son niveau du Bêtise Séville. Penses qu'il y aura des nouveaux joueurs au, au prochain regroupement. Moi je pense pas, mais il peut y avoir des surprises, mais je ne pense pas. Je pense pas que ce soit le moment de chercher des nouveaux joueurs, en toute sincérité. Moi je regarde pas les défenseurs algériens, ça sert à rien. Ben, si ça sert ou rien. Bien sûr que si. Si tu regardes que les attaquants, euh, ça sert à rien, justement. Il faut regarder tous les joueurs partout. Pour l'arbitre, tu te trompes, c'est son frère, du coup il est radié. Non, mais il est impliqué, euh, j'ai pas dit que c'était lui. Le pire, c'est que je l'ai dit hier, mais apparemment, vous n'avez pas écouté quand j'ai lu l'article. Ben Rahma, il faut trouver une place dans le 11 titulaire si et donner la liberté dans le jeu comme à West Ham. Il est formidable, il crée le jeu, il attaque, défend. Oui, mais après, ça dépend la composition de euh, la tactique de jeu de Belmadi. ça dépend comment il veut jouer. Ouais, on verra bien pour tout bas on verra bien. On verra bien. Après, il y a Abdelawi, il y a Hasef, euh, voilà. Hein. La CAF, vous m'énervez de plus en plus. Ouais. ouais la CAF, c'est pas. ne porte pas dans leur cœur, je crois, mais bon. De toute façon, on le voit, il n'y a pas besoin d'imaginer de... ou de psychoter ou d'être dans une théorie du complot. Ce sont des faits. Les faits sont là. Ce sera à nouveau à gauche. Delors peut tester de griller une place de neuf titulaires ou pas. Je sais pas. Bizarre la story de Rami Benzemaïni aussi. Ouais, bizarre. Bizarre, on ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense que les gens vont... J'ai l'impression qu'il a encore le Covid. Hein. Je pense qu'il a chopé à nouveau le Covid, ou alors euh, c'est une blessure euh, sur le long terme. Je ne sais pas, en fait. J'espère que Riyad Mahrez ira à l'inter. De l'or, c'est une machine à but en ce moment. Exactement. Bet avait repris l'entraînement et devait être dispo aujourd'hui, mais il s'est pris un coup à l'entraînement. Je pense qu'il a dû faire une radio ou quelque chose. Et il a vu qu'il serait de nouveau indisponible durant un certain temps. Salam Nordin. Salam alaikum. Ouais. Compliqué cette histoire. La situation est très compliquée. Hein. Je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas, mais euh... il reste une semaine avant la liste. On a des blessés partout. C'est un véritable casse-tête pour euh, coach Belmadi. La liste, on l'aura vers le vendredi, je pense. Vendredi, à peu près. Souvent, ce genre de story sont à cause d'embrouilles avec les entraîneurs. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, ça je ne sais pas, mais il y a une chose que je peux affirmer et confirmer. C'est que Ben Bainin, le départ de son coach, il aurait dû partir. Il aurait dû partir ailleurs. Après, peut-être qu'il n'a pas eu de proposition convaincante. Mais euh... toujours les joueurs algériens sont blessés à part Mares, qu euh... <laughs> qui ne se blesse jamais. Ram se fait réunir. Pas qu'il se blesse le prochain match. Non, non. Si Zierkan enchaîne des performances avec Bordeaux, ce serait une bonne nouvelle pour l'équipe nationale, surtout au milieu de... qu'on a besoin. Dimanche, la liste, comme il l'a fait chaque fois, il les annonce. Maintenant, oui, à la dernière fois, j'avais dit jeudi ou vendredi, il l'a annoncé vendredi. Il va l'annoncer vendredi, il va l'annoncer avant le week-end. Après, il se peut qu'il y ait euh, quelqu'un qui se blesse durant le week-end prochain. Et voilà. Mathieu a reçu une, une offre de Mourinho refusée par son club. Noble monde évite les spams s'il te plaît s'il te plaît évite les spams évite les spams mais je vais te répondre quand même. Euh, les Algériens aujourd'hui Ben, ben Rahma, très bon match et euh, victoire face à Leeds de Buzat à, à Leeds. Euh, est entré à 10 minutes de la fin contre Chelsea victoire à Chelsea à 0 Aïssa euh, il n'a pas joué avec Villarreal, ils ont fait match 1 0-0 à Madrid. Euh, Delors, buteur. Et Atal a fait un bon match aussi. Ils ont gagné à Saint-Etienne 3-0 avec Nice. Et, euh, et voilà. Il y a Zéphane qui a joué, ils ont perdu contre le Zenit de Saint-Pétersbourg. Euh, Darfalou qui a joué, mais je crois qu'ils ont fait match nul. Match nul. Et euh, Haile Mia qui a joué, qui a été remplacé, ils se sont pris à 3-0. À domicile. Il y aura toujours, mais à un certain moment, il va falloir uniquement qu'on se, qu se concentre sur nous-mêmes. J'ai dit à Adel, on retourne, Inch'Allah. Il va trouver un club en championnat anglais mieux que la moyenne. Ah oh non, mais championship, c'est largement au-dessus du Moyen-Orient, les amis. Allez voir l'intensité en championship. Ce n'est pas de la rigolade. Hein. C'est du niveau de certains championnats de division 1 hein, en Europe. Hein. Les Dura sur le banc aujourd'hui, c'est bon, c'est fini pour lui. Ruya, oh yeah, il fait que. À chaque fois, il, il était titulaire la dernière fois et la dernière fois, il était remplaçant. Ça veut rien dire. C'est l'intensité card championship, il faut du repos. Hein. Convoqué pour demain avec la Sociedad, c'est la première fois. Ah, bah écoute, c'est bien pour lui. Hein. On lui souhaite euh, voilà, de s'imposer. Pourquoi pas Pourquoi pas s'imposer en tout cas c'est un très beau niveau je pourrais pas dire le niveau de quelle, euh, quelle équipe mais euh, c'est c'est un bon niveau la championship hein. c'est très intense donc voilà en tout cas la situation elle est elle est compliquée après euh, moi j'ai toute confiance en benmadi et puis vous savez des fois, les joueurs, ils sont en délicatesse dans leur club, que ce soit en termes de temps de jeu surtout. Hein. Blessure, on n'en parle pas, parce que blessure, ils ne seront pas convoqués, bien évidemment. Mais euh, ils se donnent à fond en équipe nationale. Et ça, c'est le plus important pour nous. Le retour de Roulem, Roulem, il ne joue même pas. Il vient à peine de revenir de blessure. On va parler de Roulem, euh, Roya. Franchement, il y a des joueurs, il faut les oublier. Ils ne viendront plus en équipe nationale, je pense. <coughs> Donc voilà. Sinon, est-ce que vous avez des questions Vous ressemblez un peu à Belmadi. OK Samuel, merci pour ton message. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à la situation Donc j'espère que Slimani, ce n'est pas trop grave. Hein. Si vous avez de nouvelles informations euh, sur Twitter, euh, une information, voilà. Non, je ne connais pas ce joueur. Pas du tout. Le seul joueur que je connais aux Pays-Bas, c'est euh, Touba, c'est Zeruki et c'est euh, Darfalo. Voilà, c'est les trois seuls joueurs que je connais qui sont euh, en Belgique, en, aux au Pays-Bas. Le plus important pour l'instant, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est ce qui nous, c'est notre objectif premier, là. En tout cas, euh, total soutien, à dit, total soutien aux joueurs, on les soutient. Et on est, euh, à un milliard de pourcents avec eux et, et, on a hâte, en tout cas. À remplacer Guy Dura, c'est bon, il était fort, mais faut tourner la page. Non, Roulem, il reviendra pas, Rouya. Moi, je te le dis. Ben Taleb, oui, c'est possible. Ben Taleb, il peut nous apporter quelque chose de nouveau. Exactement. Le Niger sont au même niveau. Penses-tu que le Burkina peut se louper J'ai déjà répondu tout à l'heure. Je t'ai répondu, Fennec Dizet. Je t'ai dit qu'ils ne se louperont pas contre Djibouti, mais peut-être contre le Niger l'avant-dernier match. Donc, les prochains matchs de l'équipe d'Algérie les amis, c'est les 8 et 12 octobre. Vendredi 8 et mardi 12 octobre. Le match aller à Blida en Algérie aura lieu à 20h heure algérienne, 21h heure française et le retour au Niger à Niamey ce sera le mardi 12 octobre au stade de Niamey et au Niger et là le match sera à 17h, 18h heure algérienne. Du coup, j'attends toujours le nom de vos futurs craques algériennes. J'apprends toujours sur la sélection. Ben bah, écoute, euh, je ferai une vidéo sur ça. Mais il faut dire que le boulot doit se faire déjà. Non, c'est le 12, Roya. C'est pas le 13. C'est pas le 13, c'est le 12. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bon, là, j'ai carrément oublié. Ça m'a stressé. Ça m'a stressé toute cette histoire. Ça m'a stressé toute cette histoire et c'est une situation assez complexe, assez complexe ce qui se passe. T'es pour un retour de Ben en sélection? Bah, s'il si, euh, trouve un club et qu'il joue et qu'il est régulier et qu'il fait de belles performances, euh, s'il peut nous apporter un plus, avec grand plaisir. T'as vu l'entraîneur de l'OL? Ouais, je sais, tu l'as écrit Ahmed 59 tout à l'heure. Bah, écoute, hein. En tout cas, voilà. On verra bien. Déjà, le week-end prochain, on aura déjà du nouveau, on aura la liste. On pourra faire un live sur cette liste. Je ferai une vidéo sur cette liste. Ça va le faire, on l'a. Ça a changé. Attends, je vais, je vais vérifier. Je vais vérifier. Moi je te dis que c'est le 12. Bon après si tu penses, si tu dis que c'est le 13, ben, je vais vérifier. Je vais vérifier. C'est le 12, Roya. C'est le 12. C'est le 12. Il n'y a pas de il n'y a pas de 13, Roya. Si c'est un joueur qui devrait faire un grand retour, ce serait qui Dans l'immédiat, personne. Quand on parle de grand retour, donc un joueur qui a déjà été sélectionné, personne, parce que personne n'est apte à revenir pour l'instant. Mais euh, comme j'ai dit, si Ben Taleb se prépare bien, ce serait une belle opportunité au milieu de terrain. Tu penses quoi si Belmadi repositionne Ben Rahma au milieu à la place de Fégouli comme chez les Hammers il est sur côté droit euh, Chez les Hammers, il est en dit, Il faudrait jouer en 4-4-2. Mais genre un, un milieu en losange au en fait. Tu mettrais Benasser devant la défense. Zerouki à gauche. À droite, tu mets Fégouli. Et devant, tu mets Benrahma Rahma. Et... Euh, tu mets deux pointes devant, euh, bah là le problème maintenant, c'est. C'est un problème maintenant. Non, là, c'est un problème vu que Slimani n'est pas là. Bah oui, bah, si tu prends tes infos sur Nahal, Roya, tu veux les dates, tu vas sur le site de la FAF. Tu veux être sûr, tu vas sur le site de la FAF. C'est de l'officiel. Bah, Roulem, il est. Il revient à peine d'une très, très, très longue blessure. a ça régale pour les yeux. Ouais. Ouais. Ou alors un 4-2-3-1. 4-2-3-1, euh... Benasser Zerouki devant la défense. Et tu mets trois joueurs, tu mets Marez à droite, Belaili à gauche, tu mets Ben Rahma derrière bounja Ouais, ça peut le faire. Sauf que le... Bounjah, moi j'ai un problème avec Bunjah, c'est que par moment il ne réagit pas comme un professionnel d'Europe dans... dans ses interactions, dans ses actions, dans... Ses appels, je sais pas, je, sais pas. Non, je ne suis pas entraîneur, non. Un petit but de Marès, je kifferais. Ouais, ce serait bien. La pelouse de Niger, j'ouvre les guillemets, mytho. on dit qu'il est apte à accueillir Fnac alors que la pelouse. Ouais, mais vu la pelouse qu'on avait le dernier match, franchement, euh, chez nous, euh, on est mal placé pour dire quelque chose, malheureusement. Moi, mais bon, ils ont fait combien le match de? Attendez, je vais voir. On va mettre Fares. Ah ouais, 3 partout. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Putain, ils se sont fait égaliser en fin de match. Ouais. Bah, ils perdaient. Hein. Euh... Ah, ils perdaient 2-0 en plus. Fares, ouais, 6-5. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Bah, ils ont fait match nul, c'est l'essentiel. Ils ont fait match nul, c'est l'essentiel. Benacer a fait un bon match. Benacer, je crois qu'il a eu un 7,1. 7,1, ouais, 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 Je ne veux pas de retour de Roulem. Il a refusé de jouer la canne. Ouais, mais il n'avait pas. Il était pas prêt, il faut dire la vérité. C'est un regard je j'aime pas, il a un... Ouais, j'ai pas compris. Ben Taleb, oui, si... ben ben il faut qu'il soit déjà dans un club, les amis. Là, je pense que c'est le moment de faire jouer quelques doublures. Des joueurs qui sont tout le temps convoqués, mais qui jouent très peu, voire pas du tout. Il serait temps peut-être de donner la chance à... à deux, trois joueurs, à des postes importants. C'est le moment. C'est pas ta tasse de thé, Bounjah, on dirait. C'est un bon joueur, mais j'aurais aimé qu'il aille en Europe pour évoluer. Regarde juste l'action contre le Burkina, la réaction qu'il a eue avec Mares alors que Mares lui donne une magnifique passe. Il partait au but, il partait au but. Il s'est fait un claquage. Slimani, ouais, ouais, ouais. Mais vous savez, les amis, on n'a pas besoin de ramener un, un troisième attaquant. La famille, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Un max de likes pour le référencement, ça me ferait énormément plaisir et c'est gratuit. Merci beaucoup. Donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Un max de likes. Merci beaucoup. Je disais que on n'a pas besoin de ramener un troisième attaquant, les amis. On a tout ce qu'il faut sur les côtés. Même nos joueurs sur les côtés peuvent marquer. On peut se permettre. Là, c'est le Niger en face. Faut les respecter, mais ça reste le Niger. Slimane a un ressenti une pointe au niveau de la cuisse droite. Il ouais, faut être prudent. Bah, cher Guy, ce serait bien qu'il joue en, en Ligue 1. Plus de visibilité. Il doit donner du temps de jeu à Ben de' Delors, Touba, Boudaoui. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, il ne peut pas chambouler totalement son son 11. Belkebla, c'est rookie, je le trouve, c'est pas mal. Belkebla, c'est début de saison, il n'est pas très bon. Il aurait mieux fait de partir en Angleterre, il avait des touches. après. Parce qu'il y a un moment où tu stagnes au niveau de ton... Au niveau de jeu. Mais pour, je vous dis, Ben l'or, euh, Delors, ça suffit en pointe. Sur les côtés, vous ramenez Ounes, vous ramenez Brahimi, c'est bon. Ça suffit largement. On ramène Brahimi à gauche, Ounes à droite, c'est bon. Rezel est blessé. Ramenez à Ounes. À gauche, ramenez Brahimi. L'affaire est réglée. Rattal, il sera de retour. Voilà quoi. Un enfin, bon remplaçant, Bensébaini. Si jamais Betsebaini est absent, plus un autre à la place de TheFan. Mais qui te dit que TheFan sera remplacé C'est ça le truc. Zorgen, je pense qu'il a le niveau. Ah, excusez-moi, j'ai caché le drapeau. Désolé. Tu penses que Rata tiendra 90 minutes avec nous Même si tu tient pas 90 minutes, il joue 70, 75, c'est bon. J'espère que ce n'est pas méchant pour Slimani. Je l'espère, je l'espère. Je voulais te dire merci pour m'avoir remercié pour... Non, au-delà, il n'y a aucun problème, Yanis. il n'y a aucun problème. Merci beaucoup encore. Merci. Brahimi en forme, ça fait très mal. Exactement. Zéphane, frère, c'est trop limite. Aujourd'hui, il a joué contre le Zénith de Saint-Pétersbourg. Ils ont perdu 2-1. Hein non, Nadir, il faut respecter le Niger. Il faut respecter le Niger. Je m'attends à un match ouvert et je pense que ça va le faire à domicile, au retour, ça va être compliqué. Vous plus costaud que Belkebla, il est en marge de progression. Ça dépend, ça dépend le, la période de saison, euh, le moment de la saison, comment ça se passe. Belkebla est très bon. Mais là, c'est pas un bon début de saison pour lui. Mais vous savez, si ça se trouve là, d'ici deux-trois semaines, tout ira mieux, les amis. Inch'Allah. Tu en penses quoi des arbitres sénégalais pour le match retour du Niger Je ne sais pas. Sénégal fait partie des fédérations influentes au niveau de la CAF. Le premier match face au Niger est à domicile. À, à, à domicile. On joue à Blida vendredi 8 à 21h heure française. Et le match retour à 18h heure française à Niamey au Niger le 12 octobre. Mardi 12 octobre. À 18h, heure française, 17h, heure algérienne et heure locale. Et ça dit, il n'a pas joué tout le match. Ouais. Mais peut-être qu'il va jouer contre Manchester mercredi en Champions League. Même aller en match barrage, ça va nous aider pour la Cannes. Non, à Blida, c'est 20h, heure algérienne, 21h, heure française. Ce n'est pas 17h. Non, Blida, c'est pas 17h, c'est 20h, Kouya. C'est 20h. Renseignez-vous, allez sur la page de la FAF. Tout simplement, euh, ne vous cassez pas la tête. Allez sur la page de la FAF. Vous avez toutes les informations. Voilà. Algérie-Niger, le 8 octobre à 20h, heure algérienne. Et le match retour, je vous l'ai dit tout à l'heure, 17h heure algérienne. Allez sur le site de la FAF, les amis. Allez sur le site de la FAF. Jojo, évite les spams, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, évite les spams. En tout cas, oui, exactement, tu as raison. C'est fort possible que ces pays là soient. Euh, euh, font partie des équipes qui sont euh, des, des pays qui sont influents au niveau euh, de, la, de la CAF. Et la CAF suit la FIFA, bien évidemment. Oui, Saïd Benrahma a fait un très bon match. Alors moi, je vous pose la question suivante, à votre avis. Pour remplacer, si Slimani est absent lors de ce regroupement de l'équipe nationale et de ses dates FIFA euh, aller-retour face au Niger, vous prenez à sa place, vous cherchez un autre attaquant Ou alors vous prenez un ailier Moi, personnellement, je prends un ailier. De l'or, Bounjer, ça suffit amplement face au Niger. Là, je vous parle de convocation. Je ne vous parle pas de 11 titulaires. Là, je vous parle du groupe. De l'or, ça suffit. Tu fais jouer un joueur un match titulaire et l'autre titulaire. Et tu les fais rentrer en cours de jeu. Voilà, vice-versa. Je pense que c'est mieux comme ça. Cherchez un ailier. Ben pas je une... ben, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est, je sais pas sa story qu'est-ce qu'elle veut dire. On n'a pas de précision. Moi je fais jouer de l'or les deux matchs et je prends une est percussion. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Moi j'essaierai de vitesse Arnhem. Il joue hein Des fois titulaire, des fois remplaçant. Non, je ne fais pas Naples demain. Demain, je ne fais aucun match, la famille. Je ne pense pas. Parce que même le soir, je voulais faire OM-Lens. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne serais pas disponible. Donc, prochain match, ce sera mardi. D'ailleurs, je vous ferai un, un sondage entre City PSG et Milan Atletico Madrid. Non, la liste, ce n'est pas encore. C'est euh, D'ici le week-end prochain, on aura la liste. Je pense jeudi ou vendredi. Est-ce que Sylvani a marqué? Bonne continuation pour les matchs que tu commandes. Merci beaucoup. Non, il n'a pas marqué. Il a été passeur décisif. Il est rentré en cours de jeu. Passe décisif, mais il est ressorti sur blessure. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la famille. Hein. Un max de likes, la famille. Merci beaucoup. Pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Je crains pour Marais, ça devient inquiétant. On verra, on verra euh, mardi, euh, mardi. On verra mardi. Es pas fatigué Il m'a fatigué le match, mais ça va. Alhamdoulilah. ça va. Bon, encore là, ça va. Je vais pas rester euh, X temps. J'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui, euh, du mieux que je pouvais, et puis euh, tranquille. Ça va évoluer avec le temps. Beaucoup de choses vont changer, Inch'Allah. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de commenter le match de l'Algérie, je ne vous le cache pas. Et j'ai hâte déjà de faire euh, les vidéos euh, dès, euh, dès la liste. Les vidéos et les lives en question. Ça va le faire. Arrêtez de faire les choquer pour marès On sait qu'il joue les matchs de LDC. Ce n'est pas une question d'être choqué. Un joueur du niveau de Marès doit normalement jouer le plus possible. Il a le niveau, le physique, il a tout ce qu'il faut pour tenir. Ça choque personne que des joueurs comme Sané et euh, euh, Sadio Mané et euh, Mohamed Salah jouent presque tout le temps. Par contre, euh, pour Marais, on doit euh... non, voilà, ça marche pas comme ça. Zorgen joue mieux vers l'avant, contrairement à Zerouki. C'est ça qui nous a manqué. Bah pourtant, euh, Zerouki, c'est lui qui a tout fait contre le Burkina. Hein. Et il a tout fait, Roya. Hein. Zolgen, pour l'instant, les amis, euh, moi j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, les médias, ça s'enflamme pour certains joueurs, mais je n'ai rien vu d'exceptionnel de, de, pour l'instant. De rien, Olivier Schwartz. De rien, de rien. Merci beaucoup, en tout cas. Tu seras toujours le bienvenu. N'hésite pas à en parler autour de toi. Il n'y a aucun problème. De l'or, remplace ça très bien, Simani. Merci beaucoup, Zian Shérif. C'est vous qui m'aidez énormément, Robesprano et vous-même. Merci de me donner la force en tout cas. On verra on verra ce que ça va donner concernant euh, ce regroupement, cette liste, parce que ce sera le week-end prochain. Hein. Ça passe très vite. Mars hein. de partir et se laisse faire. Merci beaucoup, Tiffany. Merci beaucoup. Tu te prépares pour le match de demain, de demain soir. Ça va être chaud. Bargain Strasbourg, ils ont gagné chez vous, ils ont perdu aujourd'hui contre, contre Lille. Et vous aviez battu Lille. Tu vois, c'est aléatoire. Il n'y a pas de science exacte dans le foot. Et encore, ils ont eu un carton rouge, Strasbourg. Tu vois, comme, comme quoi le, le vent tourne. La liste, je pense, euh, le week-end prochain. Jeudi, vendredi, à tout casser. On aura la liste. Le regroupement, ce sera euh, dimanche, dimanche. Passe dimanche demain, dimanche prochain. Donc là, il y aura le match de Ligue des Champions. Ils vont jouer le week-end, un match de championnat, et ils vont partir en équipe nationale. Zéro qui doit retourner à l'Ajax à sa maison. Ah, Peut-être ça va se faire. Peut-être. Hein. Peut-être. Ou alors ailleurs, dans un autre championnat. L'Angleterre, ce serait bien. Histoire de, voilà, de muscler son jeu davantage. C'est ce genre de, de match qu'il faut. L'Algérie. C'est vrai. Ouais. Il y a des joueurs algériens qui jouent demain. Oui, il y en a. Demain, les joueurs algériens, je vais vous les donner. En Angleterre, il n'y a personne. En Espagne, il n'y a personne. En Allemagne. Il n'y a personne. En Italie, il y a Ounès, Naples. Naples Cagliari à 20h45. Voilà. En Ligue 1. bordeaux donc Zerkan et Midioub. Mais bon, ils ne vont pas jouer peut-être Zerkane un peu. Midioub, il ne presque pas du tout. Euh, Brest-Metz, donc Belkebla contre Ukija et Boulaya. Reims-Nantes, il bah y a Kebal, mais bon, il ne joue pas encore avec l'Algérie, donc je ne vais pas le compter. 3 Angers. 3 Angers, il ben, y a El Melali avec Angers. Et Bentaleb qui regardera le match des tribunes, je pense. Sûrement même. 3. Bon, la Russie, je ne pense pas qu'il est dans le groupe, je pense pas. Clermont-Monaco, donc euh, Zedatka, mais bon, il ne joue pas avec l'Algérie, donc euh, ça ne sert à rien. Bon, marseille lens il n'y a pas d'Algérien. Portugal, il n'y en a pas. Il deux... y a deux matchs. Il euh, y a Touba qui joue à 16h45. Ahmed Touba. Et euh, 14h30, euh, Zerouki. Il euh, y a Galatasaray à 18h, Fégouli. Est-ce qu'il va jouer au ou pas Ou est-ce qu'il sera remplaçant En Belgique, euh, il euh, bah, y a Charleroi, donc il y a Zorgen, qui jouera à 21h contre Michelin, KV Michelin, donc euh, RC Sporting Charleroi. Charleroi joue à domicile. Charleroi qui est au classement et dixième. Hein. Ah, là, ils ont chuté. Hein. Bon, ils ont un match en moins. Hein. S'ils gagnent, ils seront troisième execo. Et même à la différence de but, ils peuvent dépasser euh, USG. Je sais pas ce quoi. Bruges est son premier. Hein. L'équipe qui est dans le groupe euh, de Paris, qui a tenu en, en échec Paris en Ligue des Champions. Dans le groupe de Paris en Ligue des Champions. Euh, bah C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. De... Hein. Voilà quoi. Voilà la famille. Mandi va devoir attendre que Albiol parle la saison prochaine s'il ne prolonge pas. Ça veut dire à court trait maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a Kadri qui n'a pas joué aujourd'hui. Il n'est pas rentré en cours de jeu. Euh, c'est un problème. J'étais avec un ancien joueur algérien en équipe nationale en 1983. Il m'a dit Zorgen est un crack en Belgique. Tout le monde débloque. Ajax et PSV sont dessus. Ben, là, je lui souhaite. Hein. Je lui souhaite, hein, franchement. Il y a Naples. Ouais, ouais, j'en ai, ai parlé. Merci beaucoup, aides de site BT. Merci beaucoup, Rouya. Nasri est toujours en Belgique ou pas, frère Je ne sais pas. Nasri, je m'en fous. Il hein. faut regarder le match de Zerouki face à Alkmaar, c'est top. Alkmaar, c'est pas mal comme équipe, hein? pas mal. C'est plus comme à... avant, ils étaient encore plus forts. Hein? c'est a demandé de sortir pour ne pas aggraver sa blessure pour pouvoir être présent lors du regroupement de l'ON. Mais ben, on espère que c'est pas très grave. Mbouli et Oukidja, c'est inquiétant depuis le retour de la trêve. Nous avons dominé contre Strasbourg à 10 contre 11 Rallide, le rouge, dur dur pour Marseille Marseille Lance à 1. On verra Tiffany. Hein? On verra demain. Hein. En tout cas, ça promet d'être un gros match. Ça va être un gros match. Ça promet. Encore un joueur qui ne joue pas aujourd'hui, m'en dit. La mouche, je n'ai pas réussi à la sortir. Hein. C'est un truc de fou et elle fait que de bouger. Elle s'arrête pas. J'aimerais bien qu'elle se place dans un endroit et je la fouette. Enfin, bref, les amis. Vous savez quoi? On va pas tarder ce soir. Franchement, je suis pas forme. <laughs> le mieux, c'est qu'on se retrouve demain après le match de Marseille face à Lens. On parlera encore un petit peu des, des joueurs algériens, de ce qui se passe, parce que là, on va commencer vraiment à les suivre et on va se diriger vers la liste de Belmadi et l'équipe nationale, quoi. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci à toutes et à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui durant les, les trois lives que j'ai fait aujourd'hui, plus ce live-là. Voilà. Donc, c'était une grosse journée. On va se reposer un petit peu. Demain soir, je ferai un live après euh, Marseille-Lance. Parce que durant le match, je ne serai pas disponible. Genre, je ne peux pas faire le, le live de ce match. Mais Inch'Allah, on va se retrouver après le, le, le match de Marseille-Lance demain soir. Par ailleurs, on ne tardera pas, bien sûr. Et après cette semaine, il ben, y aura la Ligue des Champions mardi. Je vais vous faire un, un sondage. Vous choisirez le match. Vous choisirez le match pour, euh, pour mardi, Inch'Allah. Si c'est City, PSG ou Milan Atletico. Et euh, bah voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, je vous dis à demain, Inch'Allah. Passez une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à demain, Inch'Allah. Et vive l'Algérie, quoi qu'il arrive. Total soutien à Belmadi et à tous les joueurs algériens. Salam alaikum.